Bonjour la Barrière Team. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui prend certainement beaucoup de place dans votre vie, les kilos en trop, et nous allons voir comment sortir de l'obésité définitivement. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous êtes concerné par l'obésité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Si vous suivez Barrière Team, vous savez déjà que les personnes que l'on accompagne perdent 20, 30, 50, voire même 90 kilos. Mais sortir de l'obésité, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que au-delà de la perte de poids, chacune de ces personnes revit complètement, chacune de ces personnes parle de renaissance, va vers une nouvelle vie. En sortant de l'obésité, ces personnes retrouvent la santé. Par exemple, elles ne sont plus appareillées pour l'apnée du sommeil ou les symptômes du diabète réduisent à tel point qu'elles n'ont plus besoin de prendre de traitement. Les douleurs ostéo-articulaires s'estompent, l'essoufflement aussi. Elles gagnent aussi en confiance en elles. Elles s'affirment, elles osent dire non. Elles osent aussi laisser tomber les masques qu'elles portaient lorsqu'elles étaient obèses. Et puis, elles gagnent aussi en qualité de vie. Elles peuvent accompagner leurs enfants dans les manèges. Elles peuvent faire un trek en haut d'un volcan pendant les vacances sans être essoufflées. Elles peuvent s'habiller comme elles le souhaitent dans les magasins de ville, faire des journées shopping entre copines. Sortir de l'obésité, ça amène de très nombreux bénéfices. Quand je me suis intéressée à la question du poids pour moi-même, que j'ai pris 10 kilos en 2 ans pendant l'adolescence, la seule solution que je connaissais et vers laquelle on m'a guidée, c'était de faire un régime. Et pendant 20 ans, j'ai bataillé avec mes kilos en trop, j'ai perdu du poids, mais force est de constater qu'à chaque fois, je reprenais et même parfois plus. Il faut savoir qu'en moyenne, une personne qui veut maigrir va faire au moins 5 régimes dans sa vie. Et la triste vérité, c'est que les régimes ne fonctionnent pas. 95% des gens qui font un régime reprennent tout le poids perdu dans les 5 ans qui suivent et même parfois davantage. C'est ce que l'on appelle le phénomène du yo-yo. Alors vous connaissez certainement cette histoire, vous l'avez certainement vécue vous aussi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez expérimenté que les régimes ne fonctionnaient pas et que vous avez envie de vous engager vers d'autres solutions. Et là, je vais vous expliquer les 3 solutions qui s'offrent à vous pour sortir de l'obésité définitivement. La première, qui est la plus rapide mais aussi la plus invasive, c'est de faire appel à la chirurgie bariatrique. Le principe en est simple, quelle que soit la technique utilisée, l'objectif c'est de réduire drastiquement la taille de votre estomac à peu près au volume d'un pot de yaourt. De cette façon, votre corps va être obligé d'aller puiser dans les réserves de masse grasse, ce qui va vous amener à maigrir, à perdre de très nombreux kilos. Attention quand même, cette technique est réservée aux personnes qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 40 ou bien compris entre 35 et 40 mais accompagné de comorbidités telles que le diabète, l'hypertension artérielle ou l'apnée du sommeil. En bénéficiant d'une sleeve ou d'un bypass, vous allez pouvoir perdre 20, 30, voire même 90 kilos. Je vous invite à regarder les témoignages sur la chaîne Agathe, Amandine, Pierre-Yves, qui vous racontent le vécu de leur intervention bariatrique. Si vous êtes intéressé par cette solution, je vous invite à télécharger le guide qui vous est offert. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Ce guide vous indique par où commencer pour accéder à la chirurgie de l'obésité. Une seconde solution, c'est de faire appel à d'autres techniques proposées par des chirurgiens ou bien par des gastro-entérologues. Je vous parle là de la pose d'un ballon gastrique ou d'une endosleeve. Ces techniques vous permettent de perdre 10 à 20 kilos. Évidemment, cela dépend de l'IMC de départ et ce, en quelques mois. C'est une solution qui est accessible à tout le monde, sauf cas particuliers. Il faut savoir tout de même quelle est à votre charge financière et donc ça représente un certain coût qui est défini selon le praticien qui réalise l'intervention. Et enfin, la troisième solution, celle qui est certainement la plus longue mais aussi la moins bouleversante pour votre corps, c'est de perdre du poids au naturel en modifiant votre mode de vie, en agissant sur les facteurs qui vous ont amené à l'obésité.
Souvent, vous êtes tellement marqué par les échecs des régimes que vous êtes dubitatif par rapport au fait de pouvoir perdre du poids sans acte médical, sans acte chirurgical. Et pourtant, je vous l'assure, tout est possible. J'ai vu de nombreuses personnes perdre 30, 40, 50 kilos. Si vous êtes tenté par cette solution non médicale, de la même façon, vous avez un guide qui vous est offert et que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Ce qu'il faut bien voir, et là j'attire vraiment votre attention parce que c'est essentiel, si vous voulez sortir de l'obésité définitivement, quelle que soit la solution vers laquelle vous allez vous engager, il va falloir rentrer dans un cercle vertueux. Il va falloir engager une vraie motivation. Il va falloir faire de très nombreux changements. C'est ce qui va vous permettre d'optimiser cette perte de poids et surtout de stabiliser à vie. Parce que le plus difficile dans tout ça, c'est de tenir sur le long terme. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé Bariateam. Bariateam, c'est une équipe humaine et professionnelle. Vous avez à vos côtés de véritables professionnels de la santé qui sont spécialistes du surpoids et de l'obésité. Et vous avez aussi Agathe et toute une communauté qui témoigne. Des gens qui, comme vous, vivent la même chose que vous, des gens qui vous comprennent, qui savent ce que vous devez affronter et donc qui sont les plus à même de vous comprendre. Voilà, je vous ai décrit les trois solutions qui sont à votre disposition pour sortir de l'obésité définitivement. Si vous avez envie d'agir, si vous êtes prêt à vous engager, si vous êtes motivé, ultra motivé, eh bien, je vous invite à découvrir toutes les ressources gratuites que nous mettons à votre disposition. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Téléchargez des guides gratuits. Si vous hésitez sur l'une ou l'autre des solutions, je vous encourage à solliciter un bilan gratuit avec Agathe. Agathe a bénéficié d'une sleeve, elle s'est allégée de 52 kilos et elle vit aujourd'hui une véritable renaissance. Et puis si vous avez envie de rentrer dans l'action, si vous avez envie de nous rejoindre, si vous êtes convaincu par les accompagnements que nous vous proposons, eh bien je serai ravie de vous retrouver, que ce soit dans le programme de la chirurgie, pour la pose d'un ballon ou pour le programme de la seconde chance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.